Toutes les entreprises aujourd'hui essayent d'aider leurs collaborateurs, essayent de les augmenter. Des exemples. Au Crédit Mutuel, par exemple, ils essayent de faire en sorte que les banquiers que vous rencontrez aient suffisamment d'outils pour vous répondre en temps réel sur des sujets qu'ils maîtrisent plus ou moins. Autre exemple, le Crédit Mutuel veut lancer par exemple de l'assurance auto, mais il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de vendre de l'assurance auto. Orange veut lancer une banque, met à disposition des agences Orange des outils pour faire en sorte que les vendeurs de téléphones deviennent des vendeurs de banques. Autre exemple, les hôpitaux de Paris font en sorte que les chirurgiens puissent se libérer des tâches répétitives en utilisant l'intelligence artificielle pour les tâches répétitives. Encore un autre exemple, chez Manpower par exemple, Manpower, ils ont mis en place des outils d'intelligence artificielle pour faire en sorte que les recruteurs deviennent des agents de talent. Autre exemple, Generali, qui crée des assureurs augmentés pour pouvoir, en temps réel, si vous faites un accident avec votre voiture, vous reconnaissez ça avec votre smartphone, et en temps réel, ils peuvent reconnaître l'accident. Voilà la tendance aujourd'hui, comment aider les entreprises et les collaborateurs à mieux faire leur métier en les libérant des tâches répétitives.